Ah. Aujourd'hui, je te donne 3 items indispensables pour dormir en bivouac ou en refuge en plein hiver, comme à la maison. On a dormi dans le refuge, mais comme il y a des gens qui prennent leur petit déjeuner et que c'est un peu sombre, je vous montre dehors. Le premier, c'est le matelas gonflable. Le duvet, il nous isole de l'air. Le matelas gonflable, il nous isole du sol. Il a une capacité d'isolation, une air value comme on dit, de 3,9, donc c'est adapté au grand froid. Le second item indispensable, le sac de couchage zéro confort, donc pareil, bien adapté au froid. À 0 degré, du coup, t'es encore confortable. Tu peux quand même le prendre jusqu'à moins 8 degrés en sachant que tu vas commencer un petit peu à avoir froid. On a dormi dans des cabanes où il faisait moins 4 degrés là la nuit. Donc on était content d'avoir le troisième item, un liner. C'est tout simplement un espèce de petit drap de couchage en fait que tu mets avant de rentrer dans ton sac de couchage et qui te permet de gagner quelques degrés de confort en plus. Vous pouvez dormir en refuge quand il fait très froid, en tente, et si vous voulez dormir dehors, il faudra juste rajouter un bivy bag. C'est une sorte de sursac de couchage pour étanchéifier l'ensemble et pas prendre l'humidité de la nuit. Avec ça, vous passerez une bonne nuit.